Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Bon, aujourd'hui, j'ai enfin reçu mon colis de chez Aromazone. Aromazone, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui te permet d'acheter pas mal de choses, surtout bio en général. Par exemple, moi, dessus, j'ai acheté des huiles, pas mal de choses. Et là, le but de cette vidéo, le but d'avoir acheté pas mal d'articles sur Aromazone, c'est de pouvoir vous faire, du moins, vous montrer comment on effectue une crème pour cheveux. Crème qui va nourrir en même temps. Tout ça fait maison. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Yo. L'important, les gars, quand vous faites votre beurre, c'est de le préparer au bain-marie. Pourquoi au bain-marie? Et déjà, qu'est-ce qu'un bain-marie? Un bain-marie, les gars, c'est un récipient où vous mettez ce que vous avez besoin de faire chauffer dans un autre récipient contenant de l'eau et bien sûr de le faire chauffer. Pourquoi le mettre au bain-marie? Parce que ça va permettre de garder toutes les propriétés, les enzymes qu'il y a dans vos composants, dans les huiles, les beurres, etc. Parce que sinon, vous brûlez vos huiles. C'est pas le tout de vous montrer comment je prépare donc ce beurre. Il faut maintenant aussi que je vous montre comment je l'utilise. Donc là, je vais commencer une petite session brosse classique, les gars, comme je fais tous les jours. Donc là, je commence avec une session combe. J'arrête pas de vous le répéter, mais très important. Une session peigne combe pendant 5-10 minutes. Et ensuite, après, on passera tranquillement avec les peignes, avec les différentes brosses, excusez-moi. Passons à la session brosse maintenant, comme d'habitude avec la brosse poil dur, la hard brush au début. Ce mouvement circulaire que j'effectue là, la team, c'est parce que j'ai un swirl, je tiens à le préciser, pour les personnes qui ont des 540 ou sinon des 720 ou même encore des 360 swirls. Ah, the champion's here, the champion's here. Voyez, voici le beurre que j'ai fait tout à l'heure, les gars. Il a une super texture. On va pouvoir maintenant l'appliquer sur les mains et pouvoir continuer notre session brosse tranquillement. Il est important que je vous le précise aussi, les gars, que le beurre que j'effectue dans cette vidéo-là, c'est pas un beurre qui va donc hydrater, puisqu'un beurre, ça permet de nourrir les cheveux. Donc, à aucun moment, il y a un agent dedans qui va permettre de ramener une certaine hydratation quelconque. Okay? Par exemple, il n'y a pas d'aloe vera dedans pour hydrater les cheveux. Là, tout ce qu'il y a dedans, ça permet de nourrir les cheveux.
Je continue ma session brosse, les gars, avec la brosse poil médium, encore une fois de chez Wavy Merch, parce que vous le savez, j'adore cette marque. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez moins 10%. Je sais, je le répète très souvent, mais on me le demande. Vous avez moins 10% avec mon code French Gym sur tout le site Wavy Merch. Je passe à la brosse médium souple, médium soft, si je pourrais appeler les gars. C'est celle qui est juste après la médium bleue que vous avez vue. Okay, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est incurvée. Donc, pour pouvoir prendre toute la tête correctement. Et pour finir en beauté, vous le savez très bien, la brosse poil souple, ou je pourrais dire la soft brush, encore une fois de chez Wavy Merch, pour plaquer l'ensemble. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir comment je fais pour faire mon beurre maison. Bien sûr, agrémenté avec de la cire d'abeille jaune bio, très important, pour avoir un maintien en période de wolfing. Vous pouvez retrouver tous ces ingrédients, tous ces articles, comme on pourrait l'appeler, toutes ces huiles, ces beurres, etc. Vous pouvez retrouver tout ce que j'ai acheté pour faire mon beurre sur le site Aromazone. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, de mettre un petit pouce bleu pour le soutien, de mettre un commentaire, je répondrai à tout le monde comme d'habitude, et de bien brosser vos waves. C'était ton boy Jimmy. Peace.